Autre actualité, la lutte contre la violence en milieu scolaire. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale des droits. Au Gabon, les manifestations irrelatives se sont déroulées hier au collège Bigman. Charles Obamondo. Toute une batterie de discours pour marquer d'une pierre blanche la célébration de la présente édition. À commencer par le mot de bienvenue de la principale du collège, suivi de l'adresse de la représentante des élèves qui a contextualisé le fléau et mis en relief ses multiples facettes. Le harcèlement, les brimades, les vols, les braquages et tant d'actes de vandalisme sont devenus notre quotidien et portant atteinte à nos droits. Dans la même foulée, le président du sous-comité des droits de l'enfant au Sénat a réitéré l'engagement de son institution à lutter contre ce phénomène. Le bureau du sous-comité des droits de l'enfant entend s'impliquer dans les activités concernant la lutte contre les violences faites aux enfants en milieu scolaire en organisant très prochainement une session de sensibilisation à l'endroit des chefs d'établissement secondaire de Libreville. Pour sa part, le représentant de l'UNICEF, qui, tout en reconnaissant les efforts consentis par tous, a estimé que beaucoup reste à faire pour venir à bout de cette gangrène. Fournir de manière équitable des services sociaux essentiels de qualité, appliquer les lois et élargir les programmes et régimes de protection sociale aux communautés les plus enclavées et les plus désavantagées. Le déploiement des énergies complémentaires devrait permettre aux plus hautes autorités de la République d'obtenir les résultats escomptés. Le gouvernement de la République n'a de cesse de multiplier les efforts afin de préserver la jeunesse de notre pays. Et ceci passe par l'internalisation des conventions et traités relatifs à la protection des droits de l'enfant auxquels le Gabon a souscrit. Quelques manifestations pour matérialiser cette prise de conscience, une mini-représentation théâtrale des bandes dessinées appréciées par les différentes délégations présentes à cette cérémonie.